Ce jeu se cache un concept fabuleux qui est l'évolution. Parce qu'on part, comme vous venez de le voir, de vieux graphismes, par exemple, sans effet sonore, et on va évoluer tout au cours du jeu. Bref, le concept de ce jeu est simple, comme vous l'aurez compris, c'est de faire revivre l'évolution des RPG depuis les débuts du genre. Ce qui fait que on a d'ores et déjà le point fort et la faiblesse de ce jeu, c'est que d'un côté, il s'adresse aux jeunes joueurs pour leur faire découvrir l'histoire et l'évolution des RPG, des action RPG. Et d'un autre côté, il s'adresse en vérité plus aux vieux joueurs ou aux plus vieux d'entre nous, afin de leur remémorer ou de leur refaire redécouvrir tout ce qui a fait la légende des action RPG. Donc, surtout parce qu'il y a énormément de références dans ce jeu, et que si vous êtes un trop jeune joueur, je pense pas que vous puissiez toutes les apprécier à leur juste valeur. Bon, donc vous l'aurez compris par rapport à l'évolution, c'est que vous voyez, on est déjà passé en couleur. Je vais essayer de traiter en même temps que le gameplay avance, je vais essayer à chaque fois de dire les évolutions. On a de la musique, on a les effets sonores, on a même des monstres. Là, si on se fait toucher, on meurt. Hein, on n'a pas du tout, on n'a pas encore de barre de vie, parce qu'il faut savoir qu'avant dans les RPG, bah, on n'avait qu'une vie, hein, de toute façon. Mais la chose qui est la plus intéressante dans ce jeu, outre donc cette rétrospective de jeu, parce que ça commence bah, avec on va dire Zelda Game Boy, enfin, Mystic Quest Game Boy pour arriver à Diablo 3 même. Mais il a aussi son histoire propre, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, je vais vous la lire. Après des siècles de paix, un mal ancien ressurgit et menace le monde d'Elovalandia. Vous êtes l'un des rares membres de l'ordre des Chevaliers Dragons. Votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal. Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre goût, mais on dirait que les affaires reprennent. Donc voilà, un scénario très typique, on va dire, de cette époque-là. D'ailleurs, même eux, ils font un clin d'œil humoristique à ça en disant... Même si c'est pas original, même si c'est du vu et revu, ça fait sourire, parce que c'est les choses qu'on voyait, qu'on revoyait. Et le pire, c'est qu'à l'époque, on était content de... Comment dire? Que ça revienne. Parce que tous les Zelda, pratiquement, c'est un peu ça l'histoire, les Final Fantasy aussi. Puis bon, il fallait bien réussir à mettre des petites anecdotes pour les premiers Final Fantasy. J'ai cru que j'allais y passer là. Voilà, je joue avec le feu. C'est le cas de le dire. Hop, 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 hop. Hop là. Hop là. On va pas aller les chercher non plus. De toute façon, pour le moment, les tuer, ça me rapporte strictement rien, même pas d'or, rien. Donc. Ça sert à rien de farmer. Hop là, on va essayer d'aller un peu plus vite. On est bloqué par la pierre dimensionnelle. Laissez le chemin vers l'est. Oui, ben ça. Oh, ça s'est débloqué. Petite sauvegarde. En haut, si je pouvais les éviter, je le ferais. Mais bon. Oui, j'ai un inventaire. Même la musique, elle est originale et en même temps, elle ressemble. Elle a des arrière-goûts, on va dire, de Zelda et Mystic Quest mélangés. C'est vraiment un grand travail qui a été fait là-dessus. J'espère que ce let's play vous donnera envie d'y jouer. C'est vraiment un petit jeu, enfin moi en tout cas, que je trouve original. Et vraiment intéressant. Voilà, hop, la carte du monde. Tout un monde à explorer. Voilà, là j'ai débloqué les batailles tour par tour. Voilà. Mon dieu, un gros machin. Wow, il fait mal le gros machin. D'accord, il me fait plus mal que ce que je lui fais mal. Non, c'est bon. Vous avez gagné 50 glisses. Ouais. Je vais ouvrir l'inventaire qu'on n'avait pas trop vu d'ailleurs dans le test. Donc 2 sur 30 étoiles, hein. 0,23 cartes et 50 glisses. 84 PV. Bon. Donc comme vous le savez, si vous avez vu le test, de toute façon, à un moment, je suis bloqué si j'ai pas un certain nombre de sous, donc autant se balader de suite et tous les tuer. Enfin, sans mourir de préférence, pour être bien.
Après, c'est vraiment du tour par tour débile, hein. Je tape, tape, tape. Donc, on va quand même aller au marchand. Nom de lieu. Yeah. La prairie. La prairie. La dans tous les Zelda aussi, vous avez une prairie. C'est ça qui est drôle. Hop. Tant que tu me tournes le dos, toi. Voilà. Et bien. Allez, tourne-moi le dos. Voilà. Voilà ce qui arrive quand on tourne le dos à un ennemi. Hein. On se prend une épée dans le... Et bien comme il faut. Allez. Oh ma main. Allez, allez. Oui, bon, hop, plus qu'un. Tac. Tac. Et voilà. Débloquer coffre ouvert. Tuer tous les monstres débloque parfois des trésors. Oui, il est où le trésor? Hop là, on va faire une petite sauvegarde. Ah bon, ça doit être sûr. La carte slim. Oui. Non, je suis pas sûr que ce soit ça en fait, que c'est débloqué. Hop là. Débloquer village. Ah, ça veut dire que si j'avais pas pris la carte, elle était perdue. Bon, d'accord. J'ai débloqué les PNJ. Bon, jusque là, je connais quand même bien. Parce que je l'avais refait quelques fois pour pas mourir. Pour le test. Donc, du coup. Jusque là, je suis en terrain connu, on va dire. Mais j'ai pas fini le jeu, hein, donc, il y a partir, passer d'un, peu à partir d'un moment, je serai totalement dans l'inconnu comme vous. Alors. Ah, normalement c'est l'auberge, enfin il me semblait. Hop là, aubergiste, voilà. Oh la jolie blonde. Aux yeux bleus bien sûr. Allez, comme dans les Secrets of Mana, dans les Mystic Quest plutôt. Hop. Où sauvegarder? Bon allons-y. Hein. Je vais grandir. Comme il dirait là dans South Park, j'ai hâte de devenir grand. On va avoir un zizi géant. Non, non, on va pas chanter ça. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Surtout que je sais pas à quel âge ont mes spectateurs. Allez, hop. On rentre dans le puits. La fameuse Grand Mana. Hop. On l'embarque. Oui, je suis devenu grand. Et au passage, ils font changer la définition aussi. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, ah, ça c'est la maison qui est fermée, on s'en fout. Et donc là, il va me falloir des sous pour acheter le matos, et je pense pas les avoir, honnêtement. Hop, j'espère que j'ai acheté au moins assez pour acheter l'épée. J'ai que 90 gold. Oh. Bon, ben, on va aller battre alors. Allez, c'est reparti. Et bah comme dans les anciens jeux, on farm. Bon, en même temps là ça va aller vite, il suffit que je m'en fasse un pour aller prendre l'épée. Et après avec l'épée, ça va aller beaucoup plus vite, parce que là... Ils vont me fracasser, je vais être obligé de retourner dormir encore une fois à l'auberge. Du coup ça va me coûter des sous, du coup... Il va falloir que j'en farme plus. Allez, sans glisse, hop là... Il m'en manquait que 10, donc ça devrait aller. Oui. Voilà, épée longue, c'est fait. Et comme dans les anciens jeux, on peut pas revendre notre ancien matos, on lui en fait cadeau. C'est comme ça, faut pas chercher à comprendre. Bon, hop. On fait dodo. En plus, il va falloir que j'achète quelques potions, parce que là, vu que je vais aller quand même relativement loin dans le jeu. Et vu que j'ai toujours pas de points de vie... Ça va être un sportif. Allez. Bon, donc il faut faire au moins 150. Si je me trompe pas. Bon, avec un peu de chance, ça va aller vite. Voilà. Hop, toi t'es mort. One shot. On va voir si en même temps j'arrive pas à trouver une petite carte. One shot. Pas le faire à chaque fois, mais bon. On voit la différence quand même, hein. Avec et sans l'épée longue.
Donc j'en suis... Ouais, non, je suis pas encore assez bon pour payer assez de popo. On va continuer. Après, j'aimerais bien payer la carte aussi, comme ça je l'aurai, pour montrer les jeux de cartes. Ça pourrait être sympa, vu que j'avais pas pu le faire dans le jeu. D'ailleurs, dans la démo, je vous avais pas montré Garen, non. Alors que bon, c'est quand même Garen, quoi. De League of Legends qui est présent là-dedans. Enfin bon, je vais pas trop teaser non plus. Vous le verrez le moment venu. Donc comme quoi, il y a des références vraiment à tous les jeux, hein, que ce soit les nouveaux, les anciens. Alors forcément, au début, c'est vraiment les anciens anciens. Puis après, ça se mélange. C'est vraiment, il n'y a pas d'ordre chronologique dans les références. Peut-être un peu le seul défaut. Mais bon, après, même moi, je vais passer à côté de certaines pour vous les expliquer en temps réel. Ça va être un peu dur. Mais bon. Allez, encore en faire un ou deux. Tac. Bon, les sous montent quand même très très vite hein, dans ce jeu. C'est pour ça que les périodes de farm. C'est quand même de la rigolade. Là. Là, hop là, encore un sale piaf. J'ai même pas fait gaffe à combien j'avais gagné. Mais on va dire que c'est bon, on va voir. Allez, je vais passer tout mon temps à farmer ici. Allez, armure de cuivre. Ouais! Voilà, il manque 70. Hein? Pourquoi ça me retourne du principal? Bon. Il manque 70, donc on retourne aller farmer vite fait. Juste pour prendre la carte. Oula, 3 d'un coup. Poum 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 poum. Ça devrait aller. Ah mais j'aurais pas assez de sous pour me payer les popos du coup. Bon, déjà. Acheter ça. Que de phoenix, je sais même pas à quoi ça sert. Mais non, je pars dans le menu principal, où il m'embête lui. Ah, c'est parce que j'ai le réflexe d'appuyer sur échappe peut-être. Pour quitter les conversations. Ça doit être ça. Bon, et ben on va continuer à farmer, hein. Farmer, 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 farmer. Hop. J'ai toujours pas possibilité de récupérer de la vie là-dedans. Putain, j'avais même pas fait gaffe que quand je cliquais plusieurs fois, il avait deux mouvements d'épée. Wow. Il a un combo. Pierre dimensionnelle franchie, on dirait le début du jeu. Bah oui. Un peu beaucoup même. On sent la réutilisation. Oui. Je me demande si ça me fait gagner de l'XP ça. Oh non, sûrement pas. Ce chemin est réservé aux aventuriers agiles. Bah oui. Petite sauvegarde. Sauf qu'en 3D, je ne peux plus passer.